stress, l'angoisse, la solitude sont des mots qui vont nous guetter un petit moment, c'est ainsi. Et oui, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a un virus qui traîne et on est censé rester chez nous, d'accord? Alors, on va un petit peu en parler de ça. Il y en a qui vont se créer de l'angoisse, il y en a qui vont se créer du stress. Pourquoi? Pourquoi on se crée tout ça? C'est très simple. C'est parce que on nous a mis un gros coup de pied dans notre vie. C'est vrai. Tu avais l'habitude d'aller au travail, de voir tes amis, d'être amoureux, de voir ta copine et de faire ce que t'aimes. Tu ne peux plus. Forcément, ça change. Mais en réalité, pas tant que ça. C'est pourquoi je vais te donner des techniques pour aller beaucoup mieux, d'accord? Il y en a beaucoup qui risquent d'être gens qui n'ont rien, ou qui sont, même qui travaillent, qui sont peut-être en
deuxième palier. Il n'est pas en forme, mais au moins, il est là. Ton quatrième palier, c'est l'amour. Ton troisième palier, pardon, c'est l'amour. L'amour, si tu vis avec ta copine ou ton copain, ce palier ne se pose pas. Il est présent. Mais si malheureusement, tu vis seul ou ta copine est ailleurs, alors vois ça comme un challenge de la vie. Vois ça comme un jeu. Pourquoi pas? Tu es libre d'imaginer ce que tu veux. Sens à ta vie. Autant que soyez joyeux. Non. Pourquoi pas voir ça comme un challenge? Tu sais que ta copine ou ton copain, dans tous les cas, il te trompera pas puisqu'il est chez lui ou chez elle. Donc, tu sais que tu ne risques rien. Donc, la peur, du stress ou de la jalousie diminue. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux l'appeler régulièrement. Elle peut t'appeler ou il peut t'appeler régulièrement. Et vous soutenez. Vous êtes ensemble, à travers le cœur et l'esprit, vous êtes ensemble, vous êtes là, l'un pour l'autre. Et une fois que cette épidémie sera terminée, croyez-moi, vous serez encore plus fusionnel qu'avant. Et dernière étape, le loisir. Et oui, avant on pouvait faire du tennis dehors, mais non, on peut plus. Ça veut dire que tous les loisirs sont terminés. Est-ce que ça veut dire que tous les loisirs sont forcément dehors? Et toutes les choses qu'on aime faire à l'intérieur ne sont pas des loisirs? Alors c'est quoi? Il y a autant de loisirs à l'intérieur qu'à l'extérieur. À toi de trouver ce que tu aimes faire, mais à l'intérieur. D'accord? Radapte ton amusement à l'intérieur. Tu es libre. Tu es libre. Voilà les quatre paliers que tu peux adopter pour retrouver un rythme. D'accord? Et de ce fait, tu auras moins d'anxiosité. Tu seras moins stressé. Et tu retrouveras ton rythme. Qui est pour moi très important. D'accord? Mais le problème, voilà, c'est qu'on a encore des angoisses et du stress permanent. Comment faire? La réponse est simple, mais pas évidente. Comment faire pour éliminer son angoisse sans stress? Soumis à de l'angoisse et du stress, mais des fois on sait même pas pourquoi. Mais moi je vais te dire, c'est parce que tu fais de la dissonance cognitive. Qu'est-ce que ce mot? En fait, je vais rentrer un peu dans les détails pour ceux qui s'intéressent. On a des valeurs. Toi tu as des valeurs, le respect, l'amour, ok? Tu as des émotions, tu as des croyances, tu crois en des choses. Tu fais des actions, d'accord? Par exemple, tu as la valeur du respect, donc tu vas dire bonjour avec la main. Tu as la valeur de l'amour, donc tu vas embrasser. Une action, d'accord? Tout est un peu relié en fait. Et une dissonance cognitive, c'est quand tes valeurs ou autres ne reflètent pas dans l'action. Par exemple, je suis pompier. Ma valeur, c'est sauver des vies. Et là, il y a un mec qui est en train de mourir, mais je fais rien. Là, il y a dissonance cognitive. Cette situation n'arrivera jamais. Parce que tes valeurs ne reflètent pas ton action. Donc là, tu vas avoir deux choix. Soit tu vas corriger tes valeurs, soit tu vas corriger ton action. Par exemple, là, avec le confinement, tu vas subir. Tu vas avoir peur, ok? Tu vas avoir du stress. Mais pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui te fait stresser? Du coup, tu stresses. Donc, voilà, ta valeur, c'est voilà, je suis en train de stresser, ça va pas. Alors, tu as deux solutions. Soit tu baisses ton stress, soit si tu n'y rêves pas, comme maintenant, ben, du coup, tu vas trouver une raison pour stresser. Si je stresse, ah ben, c'est normal, c'est parce que je reste chez moi. Tu vois, tu vas forcément trouver une solution. Parce que le cerveau déteste quand les deux ne sont pas d'accord. Si tu stresses, c'est qu'il y a forcément une raison. Bah oui. D'accord? Tu fais de la dissonance cognitive. Donc, pour faire simple, il n'y a pas franchement de raison de stresser. Il faut prendre du recul sur cette situation. Demande-toi pourquoi tu stresses. Qu'est-ce qui te fait stresser? Trouve le problème. C'est bon?
Exagéré. Semaine, il se fait libérer parce que ben forcément ce n'était pas lui, donc l'État s'excuse et le libère. Mais pendant ces 3 semaines, il était persuadé de rester 10 ans, 15 ans, voire plus en prison. Et lorsqu'il s'est fait interviewer à l'extérieur, une fois qu'il est sorti, on lui a demandé.
que vous savez.